les gars, c'est The Mister Black. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je pète la forme comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ma première vidéo sur la chaîne de Ghost Killer qui, j'espère, vous fera plaisir. Donc, pour les personnes qui se demandent qui je suis, bah, je suis tout simplement un membre de la Noy Rage comme Ghost, mais aussi un poteau à Ghost, voilà, qui m'a tout simplement demandé de lui commenter son gameplay que je trouve vraiment très joli. Je lui dis bien sûr, et de plus j'ai une petite mission à réaliser, c'est de le faire passer soit sur code QG, soit sur code CF, enfin des chaînes communautaires, voilà, qui pourront lui rapporter quelques abonnés s'il nous upload ces chaînes communautaires là. Ça nous fera vraiment super plaisir et nous les remercions vraiment du fond du cœur. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghost sur la map Sovereign à la P226 pour une petite KOM. Comme accessoire, il avait frein de bouche, voilà, donc il va vraiment nous réaliser un petit massacre sur la map Sovereign tout simplement. Donc malheureusement, je vous ai coupé le gameplay, enfin malheureusement ça se dit pas trop, ça voudrait dire que le gameplay est pourri. Non les gars, je vous ai coupé un petit peu le gameplay, enfin je voulais condenser parce qu'il y avait des moments où il courait pendant une minute pour rien en cherchant des ennemis, voilà. Et donc aussi il a fait un 27 Ghost Streak, mais malheureusement j'ai laissé seulement 24 Ghost Streak, enfin 25, voilà, avec la KOM tout simplement. J'espère que ça vous dérangera pas. Les gars, le tout c'est qu'il est en solo et franchement le gameplay est très très joli à regarder. Donc les gars, qui dit chaîne communautaire dit sujet, et aujourd'hui j'ai un petit sujet qui aborde le thème de Call of Duty, qui vous aborde vous principalement, voilà, les viewers, les personnes qui regardent les performances, les gameplays, etc, etc. Et j'espère vraiment avoir votre interaction dans les commentaires de cette vidéo, et pourquoi pas si on passe sur les chaînes communautaires, avoir votre interaction dans les commentaires des chaînes communautaires. Donc les gars, mon sujet débat, on va dire entre autres, c'est qu'est-ce qu'un gameplay mérité pour vous. Bon, après les amis, je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo, mais encore une fois, donnez-moi votre avis, franchement, très franchement, honnêtement, sans mentir, voilà, si vous êtes abonné à Ghost Killer, sans vouloir trop lui faire de suçage de boule. Mais moi, franchement les gars, mon type de gameplay mérité, c'est moi un gameplay réellement solo, sur une map facile ou pas, je m'en fous réellement, tant que c'est du solo, que le mec capture bien les points, que le mec court bien sur la map. En fait, tant que c'est pas du blocage de spawn, de groupe de 6, tu montes, tu descends les escaliers, en fait ça me saoule pas trop. Tandis que, on va dire, quand c'est du solo, que ce soit sur n'importe quel Call of Duty, que c'est du solo avec une arme assez difficile à manier, on va dire, parce que quand c'est du Black Ops 2 solo à la N94, moi aussi je peux faire des gros massacres tout simplement. Non mais voilà, j'aurai une arme à manier assez difficile, on va dire, comme le gameplay de Ghost tout simplement, où il y a la P226, même si cette arme là, franchement, même si ce petit pistolet là, même si ce petit gun là, franchement, il envoie du lourd les gars. Mais je vais pas vous le cacher qu'il est assez dur à manier, voilà, parce qu'il a un petit peu de recul. Mais on va dire que Ghost il se débrouille vraiment pas mal du tout. Donc pour moi, ce qui n'est pas un gameplay mérité tout simplement, c'est un gameplay sur n'importe quel Call of Duty, par exemple Black Ops 1, Black Ops 2, Ghost, MW3, etc, etc. Tout ce que vous voulez les gars, c'est quand tu arrives en groupe de 6, que tu fais bon les gars, allez, bloquez-moi les spawns, là, je reste sur A, moi, je vais me faire ma triple KM, ma triple Moab, ma triple nucléaire, etc, etc. Je trouve vraiment ça un petit peu dégueulasse déjà, d'une part pour les ennemis, et d'une part je trouve que c'est pas très joli à regarder. Ok, le mec va nous enchaîner peut-être un plus de 150, peut-être un plus de 200, voilà. Mais quand c'est du spawn trap, t'as juste à prendre les ennemis, ok. Par contre, si tu bouges sur la map bien, en capturant les points et les points encore, ça peut passer. Mais quand c'est du spawn trap viseur fixe, où tu descends des escaliers par exemple et que tu montes, par exemple sur Strike Zone ou Sovereign, voilà, quand t'es en groupe de 6, c'est vraiment très facile à gérer les maps. Donc les gars, franchement, ça c'est vraiment mon point négatif pour les gens qui jouent en groupe, même si les gameplays restent vraiment très très jolis à regarder. Donc les amis, dites-moi vous dans les commentaires aussi, c'est quoi pour vous un gameplay qui n'est pas mérité, mais dites-moi principalement c'est quoi pour vous un gameplay mérité. Donc je vous résume en quelques secondes ce qui est pour moi un gameplay mérité. Encore une fois, c'est du solo avec une arme assez difficile, un mec qui se déplace bien sur la map, un mec qui participe, voilà, à la victoire. Voilà, aussi une victoire c'est vraiment très important sur un gameplay les gars. Et voilà, encore une fois, une arme difficile, du solo. Quand tu captures les points, tu te balades un petit peu partout sur la map pour enchaîner les ennemis, comme l'a si bien fait Ghost Killer sur ce gameplay. Donc les gars, ce commentary et cette vidéo s'achève déjà. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura poussé à mettre le petit like à cette vidéo. Donc moi je vous invite à liker, à commenter, à partager, de vous abonner à la chaîne de Ghost, ceux qui sont pas encore abonnés les amis, de faire un petit tour sur la mienne si ça vous fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était The Mister Black.